Chardin a peint son autoportrait. Chardin est né à Paris en 1699. Il est le maître incontesté des natures mortes qui flattent nos cinq sens. On représente des fleurs pour l'odorat, des fruits pour le goût, des instruments de musique pour l'oreille, des peintures pour la vue, des tissus pour le toucher. Il est célèbre également pour les scènes de la vie familiale. Le chat, le lapin et la perdrix. Carafe et gobelet d'argent. Instrument de musique. Lièvre mort. Menu gras. Menu maigre. Quartier de Côtelette. La fontaine en cuivre. Les gruchoirs. Lapin mort. La tabagie. Perdrix, poire et collet. Le gobelet d'argent. Cafetière et verre d'eau. Brioche. Raisin et grenade. Tranche de saumon. Bocal d'olive. Le couple Chardin. Les attributs des arts. Portrait de Madame Chardin. La fontaine. La blanchisseuse. Ouvrière en tapisserie. Jeune dessinateur. Les bulles de savon. Château de cartes. La maîtresse d'école. Jeune homme au violon.
La fillette au volant. Le jeune dessinateur. Le garçon cabaretier. L'enfant au tonton. L'écureuse. La pourvoyeuse. La mère laborieuse. La toilette du matin. Les amusements de la vie privée. Les aliments de convalescence. La serinette. La ratisseuse. La gouvernante. Chardin se sert de la peinture et peint avec les sentiments.